Salut YouTube, on est sur Branle, oui. Branle, le champion qui chauffe. Le touffe-touffe-flamme, lol. Alors, quand t'auras fait tous les champions en pourquoi jouer, on verra que les avatars, même pas la caméra. Non, t'inquiète, hein, je peux les réduire. Hein. Je peux les réduire. Hein. Et de toute façon, j'aurais jamais fait tous les champions. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a plus de champions qui sortent que de vidéos. Donc forcément, compliqué, quoi. Et le prochain Oxenfree. Alors, j'ai même pas fini le premier. Alors que c'était un cadeau qu'on m'a fait. Ah, cool. J'ai fait les deux Subnautica, c'était tellement bien que j'y rejouerai jamais. Comment ça? En vrai, retire ta cam si tu te sens pas à l'aise. Non, non, mais c'est bon, ça va, faut que je m'habitue. Pourquoi t'es pas à l'aise? Parce que en cam, j'ai du mal en ce moment. J'ai toujours eu un peu de mal, mais là, en ce moment, c'est un peu chaud. Parce que j'ai pris un peu de poids, du coup, je suis pas bien. Même IRL, je suis pas bien dans ma peau là. Du coup, en stream, c'est chaud quoi. Mais ça va. Ça va, ça va. Ça va passer haut. Faut juste que je m'habitue. Tu joues face à Vex? Ouais, ça va être sympa. On va voir ce que ça donne. Ah putain, c'est vrai, j'ai laissé le nom de l'invocateur. Il faut que j'enlève. Pour nos amis néophytes, il faut que je laisse le nom du champion. Interface. Nom du champion. Ça va, elle casse les couilles, mais tranquille, on savait, hein. Toutoum. T'as vu les buffs de Xeras qui arrivent? Non, pas du tout. Cette boule au niveau La 16? crème. Incroyable. Agro eu le chien dans le pain que j'ai dit. J'avais oublié que j'avais laissé la voix québécoise. Agro le chien dans le ping. Ça va, TQ? Merci beaucoup pour les 19 mois, c'est gentil. Si jamais vous vous recevez, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'elle fait? N'hésitez pas à laisser un message parce que du coup j'ai mis la voix québécoise et j'ai oublié de l'enlever. Voilà. La phase de lane va très très mal se passer au début, il faut le savoir, hein, bien sûr. Mais tranquille. Ok, on a un Fiddle Strong. Boum. Et on met le troisième sort pour faire péter le passif, on connaît. Bon. Elle s'en est allée, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, désolé d'avance. Mais c'est pas grave. Vraiment. De toute façon, à force de jouer avec moi, vous allez comprendre que ça sert à rien de s'excuser quand on est moins bon. Moins bon que d'habitude, hein. Je vous le dis. Je sais pas combien j'ai raté de sbires là depuis le début de la game, mais c'est. C'est pas fameux, hein. Ouais, hein. Ça fait un moment que je suis pas passé ici, j'ai le souvenir de tes cheveux longs à bouclette. Qui vont revenir d'ailleurs, hein, parce que j'aime bien. Du coup, je vais laisser pousser là. J'aime bien les bouclettes, mais c'est tellement chiant. C'est tellement chiant à coiffer. Je vais aller aider, on verra bien. Hein. Mais j'ai pas beaucoup de. Ok. J'ai pas beaucoup de vie, quoi. Bien joué, Nufle. Bien joué. Tu vas faire Kog'Maw? Je suis actuellement en train d'écrire sur Kog'Maw. Donc oui, du coup. Moi aussi je laisse pousser, c'est chiant. Mais ouais, moi j'ai envie de laisser pousser, mais au bout d'un moment ça fatigue quoi. C'est trop chiant à coiffer. Ça aussi c'est chiant. Parce que là en plus si elle veut m'ulti, elle peut. Et du coup je meurs, non. Bon, comme j'ai dit, Brand, c'est pas le meilleur choix à faire en mid lane. Hein. C'est pas le meilleur choix à faire en mid lane. Tiens, est-ce qu'il faudrait pas que je monte le son du jeu? Voilà. Je suis mort. Non, elle est pas niveau 6. Ah, la vie, c'est compliqué.
Ah ouais, je suis mort. Ah putain. Ok, tranquille. Kogmo qui s'en prend plein la tête à chaque vidéo. Ouais, mais c'est juste parce que je suis maniaque, hein. J'ai rien contre le perso, hein. Une fois j'ai utilisé Kogmo, je me suis dit je vais l'utiliser pour toutes les vidéos, hein, clairement. Embrasement, ça ferait pas proc le passif? Non, il me semble pas. C'est que les compétences pour le coup. Si je dis pas de bêtes. Si je dis pas de bêtises. Attends, on voit que je suis pas au jeu, hein, parce que je l'ai vu lancer son ulti, j'aurais très bien pu flash sur le côté, et je l'ai pas fait. Le tout feu tout flamme. Salut Naël. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci bien. C'est moi où la musique est trop calme. J'esquipe, hein. Ça fait le Dracos, c'est bien. Est-ce que Kogmo va se cracher sur lui-même? Ça va, mon ref? Drôle d'ambiance. Oh putain, le sbire qui s'est mis devant. Quelle vie. 25% de dégâts supplémentaires, bien sûr. On va essayer de se concentrer et jouer un peu mieux parce que là, c'est chaud. C'est chaud quand même. Bon, là, c'est chaud encore. Je les ai repoussés comme j'ai pu, mais bon. Je mets quand même des petits dégâts, mais c'est pas non plus la joie, quoi. C'est pas la joie, quoi. Et surtout, j'ai oublié de mettre le W. Je feed comme un sac, c'est terrible. Tac, 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 tac. Putain. Dégoûté. J'étais en train de regarder. Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Tac. On va ranger tout ça, hein. C'est pas grave, moi aussi. Peppa Pig te prendra vraiment 2 heures. Il me semble que le jeu fait 2 heures. J'ai vérifié sur un site incroyable d'ailleurs. N'hésitez pas à y aller si jamais vous voulez savoir combien de temps vous devez investir dans un jeu qui s'appelle How Long to Beat. Donc combien de temps pour mettre sa beat dans un jeu. Et pour Peppa Pig c'était marqué ouais 2 heures à peu près. Donc j'ai réservé 2 heures, mais bon. Passer 2 heures sur Peppa Pig, c'est vrai que ça m'étonne. Après, dans un certain sens, ça m'arrangerait parce que j'ai quand même mis 30 balles dans le jeu. Jeu qui est normalement 40 balles. Mais merci les soldes Steam pour le coup. C'est vraiment pas la lane la plus fun que j'ai connue. Mais tranquille. Il y a toujours moyen de moyenner. Après, je pense que je suis pas assez agressif, hein, mine de rien. Je suis pas assez agressif parce que je passe plus de temps à discuter qu'à faire attention à ma game, mais tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Vex. Bon, après, j'avoue que le Trindade en 5-0, il va peut-être nous mettre mal, mais c'est bien, ça me donnerait une excuse pour dire que c'est pas de ma faute. Ok, on a Rakan. En plus, je trouve que les animations de Brand... Les animations de Brand sont quand même vachement... Enfin, ça annonce vachement ce qui va arriver, quoi. Je trouve. Ok. Mon passif a pas proc? Comment ça? Comment ça, mon ref? Il me semblait l'avoir touché. Ou alors le passif à proc, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais merci à Rakan en tout cas d'être passé, c'est cool. Merci à lui. Gameviewer, oui. Bien sûr, toute la journée. J'ai plus envie de faire des ranked, enfin je me suis chauffé pour des ranked, on va dire le temps de 15 games, un truc du genre. En plus, j'avais annoncé en stream, hein, j'avais dit cette saison, on défonce les ranked et on essaye de monter
le plus haut possible et finalement. Finalement, au bout de 15 games, j'ai dit allez, game viewer quoi. J'arrive pas à garder la motivation. Ouais, c'est une game viewer, ouais. En ranked, je prendrais pas Brand Mid. En ranked, ce serait que Xeras tout le temps. Et vu que pendant ouais, une dizaine de games, j'ai cassé les couilles à tout le monde avec mon Xeras, là c'est bon, il faut revenir sur des game viewers et puis jouer un peu autre chose quoi. Je vous avoue que jouer contre Vex avec Brand, c'est pas la vie dont je rêvais quoi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Ça va, elle est pas trop chiante encore. Avec un Q, elle me met cher. Hein. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Un skin prestige pour puer la merde, hein. On connaît. Wow. Ah, c'est compliqué là. Parce que même avec la barrière et le flash, j'ai pas réussi à m'en sortir. Ça va être chaud, hein. La lane va être complicado, hein. On va pas se mentir. Les ranked ça détend. Mais en vrai quand je faisais des ranked en stream ça allait très bien hein, mentalement. Enfin je j'ai jamais fait j'ai fait quelques ranked où c'était ingagnable et puis du coup bah c'était chiant mais voilà quoi. Mais j'ai jamais été au fond mentalement au niveau de ça. Au niveau des ranked ça va. C'est plus dans en 2016-2017 quand j'étais mentalement fragile que ça m'atteignait très très fort. Maintenant ça va, je m'en fous. Donc je peux faire des ranked autant que je veux. En stream ça va aller. Hors stream c'est un peu... Hors stream ça peut m'atteindre un peu plus. Parce que je suis moins dans... Dans l'amusement. Je suis encore plus dans le tryhard quoi. Mais c'est pour ça que j'en fais pas quoi. C'est pour ça que j'en fais tout simplement pas. Il y a moyen de la win. Ouais, il y a toujours moyen de win. Enfin, il y a moyen de la win si j'arrête de faire n'importe quoi aussi. Je lance les sorts directement sur les sbires. Au moins, je suis sûr de les toucher, eux. C'est une technique que je vous donne comme ça. Fiddle, t'es mignon. Mais je pense que j'ai un peu baisé la lane. Je sais pas si à deux, on fait quelque chose. À voir. Ouais, je l'ai touché, mais... Ok, j'ulti pour voir. Ah, il y a Viego malheureusement. J'ai eu le kill, youpi. Ah, Viego me tue. Ouais, Viego me tue. Mais est-ce que Viego tue Fiddle? Oh, il est con le Viego un peu. Enfin, non. No judgment, bien sûr. Hein. Aïe. Ah, ça. Ah, ça, le fait de pouvoir rester invincible pendant 5 secondes, c'est quelque chose. En vrai, j'ai récupéré 700 PO, c'est déjà bien. On va pas dire je suis bien. Mais c'est déjà ça de prix. From 1-4 to 6-4. On l'espère. Le Fiddle il suce bien. Ouais mais Le Trinda ça va être chaud. Le Trinda ça va être chaud. Soit on fait une rotation de CC parfaite sur le Trinda pendant qu'il est sous ult. Et du coup on arrive à le tenir. Soit c'est la mort qui... Ah! J'ai fait exprès d'esquiver l'ulti de Vex hein, bien sûr hein. Je l'ai vu arriver de loin du coup je me suis dit on va faire un petit pas sur le côté. Est-ce que j'irai pas aider botlane? Oh! Mon E n'est pas parti sur le Viego, je comprends pas pourquoi. Ah oh putain, il s'en tire avec pas beaucoup d'HP hein, le Viego. Hein. Ah ça c'est con ça hein. Ça c'est pas de bol. Par contre j'étais persuadé que mon E était parti sur le Viego, que s'est-il passé? J'ai fait connerie. Alderia te fait mal. Alderia te fait très mal là dans la game.
Niveau projet vidéoludique, à quoi comptes-tu jouer? Par rapport à quoi, quoi? En stream? En stream ou hors stream? Parce que hors stream, je joue à plein de trucs, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à écrire en ce moment. En stream, alors. Attends, parce que là. Malheureusement, il a eu le temps d'ulti. Ouais, oh, c'est chaud, hein? Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Est-ce que je peux la stun, vous pensez? Oh putain, juste pas. Ok, c'est bon, ça touche. Je pourrais caler un ulti là-bas. Vu qu'ils sont tous un peu regroupés. Ou... On essaye? Allez, on essaye. Le jeu est ludique. Ok, un mort. On a la Renata qui casse les couilles, mais je suis sous cooldown, donc c'est chiant. Oh, est-ce qu'elle est... Elle est où? Oh putain. Dommage, j'ai flash pour essayer d'avoir la vision sur la Renata, mais j'ai raté en haut. Je pensais pas qu'elle serait là. Putain, pas loin, hein. Pas loin la vie. Alors, en stream. En stream, il y a beaucoup en stream. Jeux d'horreur. Alors, les jeux d'horreur en stream. Outlast Trials, du coup. Amnesia. Le dernier Amnesia, bien sûr. Decarnation, qui est un jeu d'horreur en pixel art, que j'ai envie de faire depuis un moment. Ibi, qui est un vieux jeu d'horreur. Très très court. Bendy 2, bien sûr, parce que le premier Bendy était trop bien. World of Horror, mais j'attends que World of Horror sorte en 1.0. World of Horror, qui est un jeu d'horreur sous forme de BD. Très très asiatique, donc forcément terrifiant. Parce que l'horreur asiatique est ce qui me fait le plus peur. Je sais pas, il y a un truc dans l'épouvante asiatique qui me terrifie le cul. Madison, bien sûr, hein, Madison. Mais ça, ce sera pour Halloween parce que j'ai pas du tout envie. Pareil pour The Mortuary Assistant qui sera pour Halloween parce que je vais mourir. The Beast Inside, que j'avais commencé en stream mais qu'on a dû annuler parce que mon PC ne supportait pas à l'époque. Mon ancien PC ne supportait pas du tout. Et The Evil Within. Mais The Evil Within, ça m'a l'air un peu trop action. Du coup, je retarde à chaque fois, mais tranquille. Ça viendra. On a quoi? On a To The Moon, qui est un petit jeu qui nous prendra juste une soirée. Qui apparemment est un jeu qui fait pleurer. J'adore pleurer. Le Restaurant de l'Ours, qui est un jeu également apparemment assez touchant. Man of Medan, qu'il fallait que je refasse en stream un jour. Ah, je pensais qu'elle allait dodge, elle a pas dodge, ok. J'ulti pour... Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait le... Renata est morte du coup. J'avais pas vu qu'il y avait le Trinda. Man of Medan, ça va nous prendre un stream, je vais le faire aussi. Contraband Police, je devais le faire. Contraband Police, ce sera aussi le temps d'un stream, je pense. Road 96, j'avais envie de refaire des runs dessus. Hellblade, parce qu'il y a le 2 qui va sortir, mais je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Dans les jeux qui vont nous prendre environ 3 streams, nous avons Beyond Two Souls. Parce que j'avais adoré Détroit, j'avais adoré le faire en stream, donc il faut que je fasse Beyond aussi. Je pars sur quoi après ça? Ouais. Rayleigh. Voilà, je devrais prendre un Zonia en fait pour le... Mais je pense que même avec un Zonia, le Trindamer me détruit, malheureusement. Nous avons également Resident Evil Village, qu'il faut que je refasse en stream. Parce que je n'ai malheureusement... Jamais eu de... Je peux jouer? Non? Ok, tant pis. 3 secondes 30 de... cool de ta gueule. On a Cuphead, bien sûr. Cuphead, un jeu du Burnout que j'ai pas eu le temps de faire encore. Cuphead, histoire de bien s'ouvrir les veines. Jump King, histoire de bien se rouvrir les veines. Et Spider-Man aussi. Spider-Man, j'ai toujours eu envie de le faire, mais je me suis dit peut-être que ça va faire chier tout le monde. Après, on a la case Giga Arc. Et là, dans Giga Arc, on a Omori, qui va être très très long. On a Rune King, qui va être très très long. Mais vu que c'est tout du lore de LoL, ça m'intéresse à fond. Et je suis sûr que ça peut intéresser plein de monde aussi. Mass Effect. La trilogie Mass Effect, que je ferai sans doute jamais. Parce que j'aimerais le partager avec le plus grand nombre. Et puis, bah, du coup, on peut attendre. Hein. Danganronpa V3, bien sûr, qui arrive fort. Faut que j'envoie un message à Twitch d'ailleurs pour savoir pour les animes s'ils comptent me ban ou pas.
Et après, on a les jeux que j'ai classés dans ce qu'on appelle le Never Ending, donc les jeux auxquels je peux jouer à l'infini en stream, League of Legends, 60 secondes, Isaac, auquel j'ai pas joué depuis 1000 ans, Phasmophobia, Bigfoot, enfin bon, bref, plein de trucs, quoi. C'est la foire. J'ai une liste de zinzin. Les Dark Pictures sont tellement bien. Bah ouais, mais il y a que Man of Medan que j'ai pas fait. Que j'ai pas fait en stream. Je vais essayer de le contrôle. Bougez pas. Je l'ai raté. Bon, on est mort. C'est calculé, bien sûr. 900 PO dans ma schneck. Un Tryndamere qui a beaucoup d'avance est un sacré problème. Méditez là-dessus. Hein. Phasmophobia, quel poulet. Ouais, mais le truc, c'est que Phasmo, on a fait tellement de streams avec la team, donc Flyer Moon, Combo et Tunneler, qu'on a plus vraiment peur en fait maintenant du jeu. Donc j'attends une mise à jour ultra hardcore. On espère. Une mise à jour qui offre au jeu quelque chose de terrifiant. Et puis on y retournera peut-être. On verra. Ah, puis bien sûr, il y a It Takes Two avec Combo, mais It Takes Two. En fait, il faut que Combo et moi on soit dispo au même moment. Et c'est y part, mais vous avez pu remarquer que Combo ne stream pas depuis un moment, donc Combo est très occupé à roue. Pam 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 pam. Donc voilà. Et bien sûr, finir Hollow Knight. Mais on va y jouer ce soir, mais je garantis pas que ça avance beaucoup. Sachant que moi je suis du genre à rester bloqué sur un. Je suis tellement mort en fait. Je l'ai raté, je me déteste. Ça pour le coup avec Vex, c'est vrai qu'une fois qu'elle a claqué tout son burst, elle ne peut rien faire d'autre que partir en attendant que ça revienne quoi. Et ça c'est très cool pour moi. Merci les Zonia. Oui, Hollow Knight, moi je suis du genre à rester bloqué sur un boss pendant 3 heures, donc on verra ce soir. Hein. On verra ce soir. Mon manque de mobilité me pète mes gigatesticules, faut le savoir. Hein. Je suis en train de me traîner le cul sur tout le long de la map. Ok. Ah, l'ulti. Un peu overkill, mais tranquille. J'adore quand le jeu devient un tower defense, c'est... C'est mon péché mignon, gars. Ça aussi, c'est mon péché mignon. Foncer dans les sorts ennemis. J'aime bien. Salut, Chocolate Bunny, ça va? Te souviens-tu du jeu où l'histoire, c'est que la soirée recommençait tout le temps, et la conclusion? Oui, dinguerie. 12 minutes, jeu de fou. J'ai adoré le jeu. Tout le monde a dit que c'était un jeu de merde, alors que j'ai trouvé le jeu incroyable, mais bon. Les coups et les douleurs, hein, comme on dit. Si tu kiffes l'ambiance asiatique horror, Silent Hill F promet du lourd. Ouais, clairement. J'ai vraiment hâte. Hein. Mais ils ont fait un remake de Project Zero aussi, que j'ai pas fait en stream. Ni hors stream d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'hors stream, je ne fais aucun jeu d'horreur. Aucun jeu d'horreur hors stream, hein, c'est mort. Je n'ai absolument pas les crocs pour ça. J'ai absolument pas les coraux pour aller faire du jeu d'horreur en stream. Hors stream. Bah écoutez, on gagne, hein. Attention parce qu'ils risquent de faire le Nash si on leur laisse trop la place. Brand, c'est vraiment un tracteur quand il bouge. C'est le souci. C'est le souci, malheureusement. Je trouve qu'en 2023, être sur un perso qui n'a pas de dash, c'est compliqué à haut. Tout. J'aurais dû faire une Gale Force. Poupoum, poum, poudoum. Je
Je vais me prendre ce genre d'ulti. Si je me prends l'ulti de Vex, il n'y a pas trop de débat, je Zhonya en fait. Amao CVR, bonsoir, bienvenue. Faut vraiment pas être tripophobe. Ah oui, non, non. Non, non, non. C'est clair. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Silent Hill, rien à voir. Enfin, si, à voir, parce que je pense à Pyramid Head et du coup, ça m'emmène sur le sujet auquel, sur lequel j'allais partir, là. Hier, j'ai lancé un jeu qu'on m'a conseillé, qui s'appelle Blasphemous, qui est un Metroidvania en pixel art, très sympathique. Je vais claquer mon meilleur ult, hein, je vous le dis. Voilà, c'était mon meilleur ult. J'ai raté le stun sur le Tryndamere, je me déteste. J'ai pas eu le temps de Zhonya, je me déteste encore plus. Bah c'était bien. J'ai lancé Blasphemous et franchement c'est un excellent jeu, mais j'ai joué 20 minutes et j'ai quitté parce que j'étais un peu dead, j'ai préféré aller sur autre chose. Du coup j'ai lancé Brotato. Brotato qui est aussi un roguelike très très cool. J'attends toujours le marathon de Nalf, surtout le FNAF. Oui bien sûr, ouais. Ouais on fait ça, ouais. Salut YouTube, prenez soin de...